J'ai un sentiment de regret parce que nous étions venus pour rencontrer l'autorité provinciale afin de lui donner des pistes, des solutions sur les regains d'insécurité qui a pris des proportions inquiétantes ici dans la ville de Kananga. Mais malheureusement, nous étions dans la salle, nous étions imbibés, ragaillardis pour donner au chef de l'exécutif provincial quelques pistes. Mais le chef avait ses interlocuteurs propres. Il donnait la parole à qui il voulait. Mais nous autres ici, nous étions dans la salle, on dirait que nous étions venus pour faire des villagitures. Nous étions venus pour faire des mascarades et rentrer à la maison. Aussi longtemps que nous sommes des leaders d'opinion. Ça, c'est très grave ce qui s'est passé ce soir. Vous savez, nous, on est jeunes de cette ville de Kananga. Vous savez qu'ici, sur le mouroir, le chômage bat son record. Alors, comment est-ce qu'un gouverneur qui a tous les services de sécurité, comment est-ce qu'un gouverneur qui a tous les services qui peuvent, parce que lui d'ailleurs, il était député provincial, président du bureau provisoire et ministre de l'Intérieur, aujourd'hui gouverneur de l'Intérieur, nous supposons qu'il a la cartographie, il connaît le topo sécuritaire dans la ville. Mais dommage qu'il vienne pour nous demander nous, des pistes de solutions. Non, on croit que peut-être que c'est juste pour faire du baise, juste pour la consommation extérieure, pour qu'on puisse savoir que non, il y a un gouverneur au Conseil central qui avait parlé sur les insécurités. Non, on ne termine pas cette insécurité avec de petites réunions comme ça. Nous avons fait des défilés au sein de cet bâtiment pour faire le même exercice. Mais ça n'a jamais donné des résultats escomptés. Nous lui proposons ceci à travers votre micro. Qu'il puisse d'abord doter la police nationale avec des moyens conséquents. Vous voyez, la police n'a pas de jeep, la police a un seul véhicule. Comment vous demandez à une police qui n'a pas des engins qu'il puisse sécuriser la ville? Ça, c'est un peu lui demander trop. Nous avions proposé que le gouvernement provincial, dirigé par M. Tarcisse Kabatosuila, puisse faire un lobbying au niveau du pouvoir central. C'est le pouvoir central qui peut voir avec tous les moyens possibles doter la police ici avec même plus de 10 véhicules, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de carburant, sensibiliser la population. C'est de cette manière-là qu'on doit mettre fin à ces regains. Les chapelets de bonnes intentions, là, nous l'en avons suivi et nous sommes fatigués. Et ces jeunes de Kananga méritent quand même une considération. Quand on vous parle de la Banque mondiale, c'est vraiment de la supputation. Hein? Il faut vraiment créer des brigades au niveau local. Vous voyez par exemple ce que le gouvernement national a fait pour le fonds social. Quand même, on prend des jeunes gens désœuvrés et ils sont occupés. Mais quand vous parlez toujours de la Banque mondiale, c'est de l'utopie. On ne peut pas se mettre devant les jeunes pour commencer à raconter des données chimériques, voilà Banque mondiale reviendra, voilà qu'est-ce que nous allons faire. Non, ce qui importe pour le moment, c'est donner une réponse satisfaisante à la jeunesse. La réponse satisfaisante, c'est quoi? C'est que dire peut-être aujourd'hui que non, demain j'ai créé une brigade quelque part. Venez avec des jeunes, ou soit vous jeunes qui sont dans les structures, venez prendre peut-être des moyens pour commencer à créer peut-être de petits emplois dans l'entrepreneuriat. Voilà comment on occupe les jeunes. Ce n'est pas venir ici dire aux gens que non, voilà la Banque mondiale viendra, voilà telle viendra. Moi, je crois qu'il faut arrêter avec ce genre de démagogie. Nous sommes dans un temps où on doit voir les actions concrètes, les actions à impact visible. Fini le temps où on croyait que les jeunes sont des moutons de panurge, on doit les manipuler, voilà Banque mondiale. Non, le gouvernement doit se mettre, le gouverneur de province qui fait l'intérim doit se mettre au travail. Le petit temps qu'il gère ici, il peut même donner 10 emplois, 15 emplois, 20 emplois aux jeunes et nous allons l'applaudir et son nom sera inscrit dans l'histoire politique de la province. On dira que le temps de Kabatosuila, il avait fait quelque chose.